J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez trouver dans cette lecture intuitive une réponse à votre questionnement actuel. Comme je l'ai dit pour les autres signes, ça ne concerne pas forcément l'énergie du mois de novembre ni celui de décembre, même si ça a été publié en novembre 2021 pour ceux qui seraient là dans un an. Ça concerne la réponse à un questionnement qui se situe dans votre présent, c'est-à-dire au moment où vous rencontrez cette vidéo. Et au moment où la vidéo vous rencontre aussi, c'est-à-dire que c'est au moment de la découverte. Ça peut être donc dans une semaine, après la publication, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, si la chaîne existe encore. Et je me le souhaite, et je nous le souhaite. Alors, donc, je vous invite à vous laisser imprégner par les images qui viennent, par les symboles, par ce que je vous évoque en termes intuitifs dans cette lecture-là, et de voir en quoi ça répond à votre problématique et en quoi ça vous apporte un soutien, une aide, un éclairage pour vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. On va commencer donc par la gauche. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction pour connaître les cartes que j'utilise, eh bien je vous invite à faire une petite pause si ça vous intéresse et d'aller regarder cette vidéo d'introduction. Va commencer par le début et d'aller voir un petit peu ce qui est présent à vous. Pour les balances, voilà, je sens l'appel de celle-ci. La curiosité. Vous avez envie de savoir des choses, il vous manque des informations. Vous voulez en savoir davantage sur quelqu'un, sur quelque chose. Vous êtes curieux, curieuse. Et cette curiosité-là va vous permettre d'ouvrir un champ de compréhension que vous sentez nécessaire, que vous sentez utile pour vous. Peut-être que c'est cette curiosité qui va vous permettre d'avancer. Mais peut-être que cette curiosité est là à tort, que vous perdez un peu de temps, vous vous concentrez, alors pas perdre de temps, mais vous vous concentrez peut-être un peu trop à vouloir savoir des choses parce que vous sentez quelque chose et que, ma foi, est-ce bien utile? Donc, on va voir quelle place a cette notion de curiosité dans votre situation actuelle, votre environnement actuel. Oui, voilà. Le 5. Alors, l'Umrazai, c'est un jeu de cartes qui reprend les 22 arcanes majeures du tarot et qui ont des déclinaisons pour chacune de ces arcanes un petit peu particulières. Et donc ici, vous voyez que nous avons un jaune flamboyant. Ça m'évoque le feu. Le 5, c'est le hiérophante, c'est le pape. On est dans quelque chose qui est un peu en lien avec la foi, la croyance, la transmission, une forme de posture, un peu de guide. Mais là, cette carte-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est écrit. Alors, je vais essayer de l'avancer. Voilà, oh là là, je suis à l'envers. Voilà, j'y arrive. Vous voyez, c'est écrit bénédiction. Bénédiction, c'est une bénédiction pour la terre, le ciel est pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Bon, vous êtes en train de me dire déjà, mais en quoi c'est en lien avec la curiosité? Je sens ici que ce qui vous intéresse, je vais vous donner ma lecture, même si vous avez certainement vos ressentis. Vous avez besoin de recevoir la bénédiction de quelqu'un, vous avez besoin d'avoir la certitude que l'on vous veut du bien, que quelque chose a besoin d'être éclairé pour vous permettre de confirmer l'assise, le rôle que vous avez, peut-être que vos intentions soient claires. Donc cette curiosité, c'est d'aller confronter dans le monde extérieur, vis-à-vis des autres, de vos proches, d'une personne en particulier. Que vous êtes dans le juste, que tout va bien et que votre rôle
Alors qu'il n'est pas forcément un rôle de guide, hein, tel que la carte du 5 de l'arcane majeur, le pape l'indique, mais vraiment dans ce rôle que vous avez, que vous occupez dans la vie d'une personne ou de certaines personnes. Ça peut être au travail, ça peut être au sein de la famille, ça peut être auprès d'un public, l'image professionnelle que vous renvoyez vis-à-vis de certains clients, peu importe, mais vous avez besoin comme une forme d'assises qui vous semble nécessaire. Et quand vous êtes dans cette curiosité, c'est j'ai besoin d'aller chercher à l'extérieur du feedback, de l'information. Voilà comment moi je ressens cet élément-là. On est autour des jaunes, les couleurs jaunes qui sont l'individu, l'individualité, la personne, la brillance, le soleil. C'est vraiment cette, est-ce que j'ai cette aura que j'ai besoin de sentir, avoir pour me sentir à ma place? C'est un petit peu de ça qu'il s'agit ici. Est-ce que c'est la situation que vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a dans votre environnement actuel, dans votre situation actuelle, quelque chose qui est en lien avec ça? Je vous invite à vous interroger, à voir où est-ce que ça fait écho dans votre vie, parce que les cartes ici ont envie de vous parler de ça. Donc laissez-vous imprégner et ouvrez-vous à cette curiosité-là, hein. Voyez dans quel domaine de votre vie le besoin d'être rassuré, d'être légitimé, s'inscrit, parce que ça vous donne une orientation de pertinence, hein, ça vous donne la pertinence, et ce que vous avez peut-être besoin de comprendre que est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser avec ça? On va voir la troisième carte qui va vous le dire, qui va vous donner l'orientation. Est-ce que vous avez raison d'aller chercher ça, ou est-ce que c'est un temps un peu inutile et que cette légitimité, c'est en vous que vous la trouvez, qu'il faut laisser les choses se faire et que, ma foi, ces feedbacks extérieurs, en a-t-on vraiment besoin? On va aller vérifier ça. Ça va vous éclairer. Je l'espère, ami Balance. Voilà, je sens qu'elle est là. Regardez-moi ça. J'adore les cartes. Le 7 de bâton. Je défends ma place. Voyez comment elle est. C'est impressionnant. On est toujours dans ces couleurs feu, hein, vraiment avec le soleil derrière. C'est impressionnant. Le bâton qui est la passion de se sentir à sa place dans ses tripes, dans son élan, dans ses désirs. Notre 7 de bâton ici nous dit voilà, j'occupe ma place, je tiens ma position, je tiens ma position en fait. Et ça confirme un petit peu ce qui est en train de se dire ici. Vous êtes curieux, curieuse de savoir exactement ce que l'on pense de vous. Vous avez besoin d'aller vérifier si vous vous sentez bien à votre place. Et je dirais que cette carte, en termes de conseil, est en train de vous dire, c'est à l'intérieur de vous, hein, que cette légitimité existe, que qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous intentionnez suffit, suffit. Il n'a pas besoin d'être validé, vous n'avez pas besoin de la bénédiction des autres pour ça. J'espère que ça vous éclaire. Sentez-vous confiant, confiante. Vous êtes qui vous êtes. Si des gens ne vous reconnaissent pas, ne vous considèrent pas avec votre valeur, eh bien, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes. Vous n'avez pas à convaincre. Vous n'avez pas à aller à chercher l'approbation. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. Mais la carte dit, c'est en moi que ça se passe. C'est pas ailleurs. Donc voilà une jolie orientation. Voilà une information qui pourrait vous être pertinente. Si c'est le cas, eh bien, j'aimerais bien vos petits partages, un petit commentaire qui dit, c'est complètement dans le juste. Si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez aussi m'écrire en privé ou en commentaire. Et vraiment, je me ferai une joie de vous répondre. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Et donc, à très bientôt pour la prochaine lecture. Au revoir.